Bonjour. Mon retour d'expérience après un mois de prise de photos macro et proxy que j'ai réalisé avec mon réflexe Nikon D810 monté sur une chambre Cynar 4-5 avec un APO Cynaron de 240 mm. Mon intérêt a été éveillé à la lecture d'un excellent article de Thierry Rebourg qui est paru en 2007 dans Galerie Photo sur l'association d'une chambre avec un appareil photo réflexe. Le fait de passer d'un plan film de 9 par 12 cm à un capteur de 2,4 par 3,6 cm équivaut à réaliser un crop de 12 sans perte de qualité. La chambre permet de passer d'un tirage de 20 cm maximum avec un soufflet 24-36 à 2 mètres avec le rajout de fanion et de soufflet sur une chambre. Sur les photos présentées ici, le tirage va de 30 cm à plus de 90. Cet allongement du tirage, couplé à l'utilisation de longues focales, permet aussi d'augmenter la distance entre l'objectif. On passe ainsi de quelques centimètres en 24-36 à plusieurs dizaines de centimètres avec une chambre. Le format 4-5 pouces, 4 par 5 pouces, soit 9 par 12 cm, permet aussi d'utiliser des objectifs avec des ouvertures allant jusqu'à f90 contre f32 pour du 24-36. En utilisation macro, cela permet de passer de f8 à f11 en 24-36 à f22, f32, voire f45 avec une chambre. Donc au final, on obtient avec cette installation une gestion de l'éclairage simplifiée, une plage de netteté augmentée et une douceur de rendu inégalable. L'association chambre montée sur réflexe permet aussi de conserver à un prix abordable le confort de prise de vue qu'offre le numérique. En l'utilisant avec Capture One, on bénéficie aussi d'un live view plein écran, d'un masque de plage de netteté et d'un accès à tous les réglages directement via l'ordinateur. Les photos présentées ici vont de la proxy au rapport 0-20 à la macro au rapport 3. En conclusion, pour les amateurs de photos macro de studio possédant déjà un réflexe ou un mirrorless Nikon, Canon ou Sony, cet équipement peut se trouver en occasion à partir de 500 euros. Beaucoup plus abordable que le dos numérique équivalent, le déport du capteur numérique de l'appareil photo n'est plus un handicap pour réaliser des photos proxy ou macro. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous mets dans les commentaires tous les liens des sujets que j'ai abordés. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.